Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une ferme à baies automatiquement. Alors pour cela c'est très simple, il va juste vous falloir des graines de baies, de la terre et des tapis roulants. Normal, et des tapis roulants gauche et droite aussi. Alors tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire c'est ça, vous mettez de la terre. Voilà. Vous mettez un tapis roulant qui passe comme ça. Hop, ensuite vous mettez un tapis roulant pour tourner. Et vous en remettez un pour retourner de l'autre côté. Hop, j'essaye de bien le placer, mais le jeu n'a pas très envie. Voilà. Je replace de la terre ici. J'ai quand même en placé un bloc en plus là. Et ensuite, je plante juste des graines de baies. Voilà. Je remets un tapis roulant pour pouvoir retourner. Hop. Et voilà, et là c'est bon. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est que vous mettez un autoclic, vous vous mettez en première personne et vous mettez un objet lourd sur votre clavier qui appuie sur la touche F. Puis vu qu'il y a des tapis roulants, ça va vous faire avancer et donc vous allez récupérer les baies automatiquement, ce qui va vous permettre de farmer des baies sans jouer et ça permet d'avoir pas mal de baies. Bon, du coup maintenant je vais faire ça mais en bien plus grand. Je vais refaire cette ferme-là, mais en énorme. Parce que comme ça va pas rapporter beaucoup la nuit. Si tu farmes AFK la nuit avec une petite farm, ça rapportera moins qu'avec une énorme farm, ce qui est logique. Donc on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fini la grande farm. Bon, voilà, toute la première, enfin à peu près tous les buissons à baies ont poussé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais farm AFK les buissons pendant 30 minutes. Puis on se trouve juste après. Mais juste avant, je vais ranger toutes les graines de baies que j'ai sur moi. Et toutes les baies que j'ai sur moi pour pouvoir voir combien j'ai gagné en 30 minutes. Je vais tout mettre dans ce coffre. Hop. Je vire l'acier, je mets tout là-dedans. Donc maintenant j'ai 0 graines de baies et je fais pareil avec les baies, tous les baies. Hop. Je pense qu'il va encore falloir quelques coffres pour pouvoir mettre toutes les baies. Il en reste encore 463. Voilà, j'ai plus de baies. J'ai plus de graines de baies sur moi, ni de baies tout court. Donc du coup, c'est parti pour AFK 30 minutes. Dans la ferme que je viens de construire pour voir combien ça me rapporte. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est que je me mets là, je me mets en première personne, j'active un autocliqueur pour pas être déconnecté et je mets un objet lourd sur ma touche F. Voilà, et on se retrouve dans 30 minutes. Allez. Eh bien, re les amis, ça fait 30 minutes que je suis en train de farm un FK dans la farm. Alors je vais voir combien j'ai récupéré. Alors, j'ai récupéré 2037 baies et 9 graines de baies en plus. Alors, on va aller vendre les 2037 graines, non pas graines, les 2037 baies au PNJ, au spawn. Pour voir combien ça me rapporte. Et ensuite,
Je vais aller vendre mes 9 graines de baies à un joueur pour voir combien ça me rapporte au total. 30 minutes de farm AFK dans ma farm. Alors, les récoltes. Du coup, en 30 minutes, là, j'ai déjà gagné 44 000. Maintenant, je vais aller dans le shop d'un joueur. Essayer d'en trouver un qui a l'air pas trop mal. On va dire lui là, je vais essayer de me connecter. Pour essayer de vendre mes 9 graines de baies. Normalement, une graine de baies, ça coûte quand même plus de 2000. Génial, le serveur était complet. Bon, on va aller là où il y a peu de monde, en espérant qu'il achète les graines de baies pour un bon prix. Et pas que ce soit une arnaque. Bon, faut juste trouver où est-ce qu'il achète les graines de baies. S'il les achète, mais je vois pas pourquoi il les achèterait pas. Bah, j'ai peur qu'en fait il les achète pas. C'est assis là-bas. Alors. Graines de baies, c'est où? Génial, il les rachète pas. Génial. Bon, bah, tant pis, hein, je vais pas les vendre, mais normalement une graine de baie, ça se revend aux alentours de 2000. Donc vu que j'en ai une 9, on va dire que ça fait 18 000 dollars en plus. Donc en 30 minutes, j'aurai presque farm 60, environ 60 000 dollars. Un peu plus de 60 000 dollars en 30 minutes d'AFK avec ma farm. Bon, voilà, ça a fini de charger. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à une prochaine vidéo. A plus.